C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis, à quelques heures du réveillon et à pratiquement 2 jours de la reprise pour notre équipe derrière nous. Notre équipe qui va donc démarrer l'année 2022 par ce 16e de finale de Coupe de France contre le Racing Club de Strasbourg. A priori, on devrait se régaler. Alors la vérité des papiers n'est peut-être pas toujours celle du terrain, mais quand même, face à la deuxième attaque du championnat, quand on y pense, Ajorque, Diallo, Thomasson et Gamero pèsent à eux 4, 27 des 34 buts marqués jusqu'à présent par l'équipe du Racing Club de Strasbourg. On va se régaler parce que, bien sûr, je vous entends et nous partageons tous ce vœu que l'année 2022 débute aussi bien qu'ils ont achevé la précédente. Donc, dans la foulée et en espérant que cette trêve des confiseurs n'aura pas atténué la dynamique qui les porte, je pense que nous pouvons bien sûr très bien débuter cette année 2022. Donc c'est une opposition entre deux clubs de Ligue 1, opposition d'autant plus intéressante qu'elle va mettre aux prises deux équipes, ma foi, qui ont légitimé quelques ambitions en championnat. Nous sommes 5e, les Strasbourgeois 10e, 5 points séparent ces deux formations et on ne peut pas écarter de notre mémoire ce souvenir du 20 octobre dernier, lors de la 9e journée, car les Alsaciens étaient venus quand même nous bousculer un petit peu. Ils avaient décroché le match nul à la Mosson grâce à l'égalisation de Gamero en première mi-temps. Alors, parfois l'histoire est une certaine forme de recommencement, puisque faut-il réveiller de votre mémoire à vous le fait qu'en 32e de finale la saison dernière, nous avions déjà affronté les Alsaciens, mais à la Méno, et nous nous étions qualifiés en Alsace 2-0. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite, qu'ils puissent donc débuter 2022 comme ils ont achevé 2021 par une très belle prestation, une belle victoire, car la Coupe de France sera, sinon un accélérateur de progrès, en tout cas un élément déterminant pour entretenir cette dynamique qui les porte à l'instant. Voilà ce match, c'est dimanche à partir de 16h, ce sera notre premier rendez-vous de 2022 sur tous les supports sociaux. Je me ferai une joie de passer cette rencontre en votre compagnie. Bon réveillon !